Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo de Binding of Isaac. Et on va prendre Magdalene, parce que j'ai envie de prendre Magdalene. Je pense pas qu'on ait le temps d'en faire beaucoup, donc du coup, on va commencer avec elle. Et on verra en fonction de la tournure que prendront les choses. Ok, d'accord, super, super tournure, super. Évidemment, on tombe sur des araignées. Ah, je voulais éviter de prendre des dégâts et j'ai pris des dégâts. Bon, c'est pas grave. Ça commence juste mal. Ça, c'est un truc à activer. Ouais, je voudrais garder mon cœur en fait. Donc voilà. C'est pas cool. Les coffres rouges, je ne les prends plus tout simplement parce qu'à chaque fois que je les ouvre, ce sont deux araignées depuis toujours. Donc, je sais que c'est du hasard, mais bon, sur 20 trucs. Ouais, andouille. À chaque fois des araignées, c'est très très chiant. Donc non, non, je ne les prends plus. Comme ça, moi, je n'ai plus d'araignées. Enfin, moi, pas dans les coffres. Parce que j'aime pas les araignées. Donc ça suffit. Ok. J'aurais bien aimé une clé en fait, mais apparemment, il n'y a pas de clé là. Oh non, la poisse, c'est pas possible. Faire un truc et forcément je tombe que sur des araignées, sur dos. Mais c'est le bonheur, dites-moi. J'en ai de la chance. On avait envie que je vous le fasse cet épisode, hein. C'est terrible. J'aurais pas eu énormément envie de vous tourner du Isaac, je pense que j'aurais rage quit et j'aurais abandonné la vidéo. On serait dit bon, je ferai autre chose, je tournerai du Slender, parce que moi Slender c'est rigolo. Les araignées, ça l'est pas. C'est vrai que c'est pas rigolo, les araignées. J'aime beaucoup Isaac, mais je regrette d'avoir installé le DLC parce que les araignées, ça m'énerve vraiment. J'aime pas du tout ça. Et avant le DLC, il n'y en avait pas. Voilà. Je me suis dit, bon, ça vaut le coup, il y a tout le reste et tout, mais en fait. Mais en fait non, c'était mieux sans araignées. Quoique c'est vrai, il y a beaucoup de boss qui sont vachement mieux maintenant qu'il y a le DLC. Mais en les araignées, franchement, c'était vraiment pas obligatoire. C'était le jeu parfait sans les araignées. Moi, je trouve qu'il y a perdu complètement. Voilà, donc ça c'est fait. Et les clés, c'est pour qui? C'est pas pour moi. Je croyais que j'allais me le prendre. Et, ah bah voilà, je le savais. Je savais que j'allais me jeter dessus en fait. Mais j'ai juste confondu entre les deux. Et je le sentais pas. On va peut-être trouver la clé avant d'aller voir le boss. Girl, il va m'enquiquiner. Bien là, voilà, parfait. Ah mais tu l'as trouvé. C'est exactement ce que je voulais. Tu es tout gentil. Enfin vraiment mal au cœur ces monstres. Ah. Je dis ça, il me fait du mal. Parce qu'ils sont tout inoffensifs et tout. Enfin avant qu'on les tue, ils sont inoffensifs. Et suppliants un petit peu. Donc c'est assez terrible. Voilà. On va aller dans celle en face. Je sais pas trop où aller. Encore, oh, les bouts. Ok, donc ça c'est bon. J'ai toujours pas de clé. De toute façon, j'ai pas de sous. Mais une clé. Ah, merveille. Des merveilles. Et là ils sont bien sadiques, ce qu'ils nous disent, choisissez entre l'item et le truc, machin truc, et le coffre, donc voilà. Ok, Allstat, ah ça c'est cool ça. Bon, par contre on n'a pas de clé pour le niveau suivant, et on est grand. Et être grand c'est nul, parce que du coup on évite moins bien les projectiles. Alors on va là. La rivière. En ce moment j'arrête pas de me faire blesser par la rivière, je sais pas. J'y vais trop à la barbare je crois en fait.
faut être doux avec lui. Parce que sinon... quand on l'attaque, lui... après, il est en kikinant. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va attendre gentiment qu'il vienne. Non mais on tape. Je tapais le rocher, je disais mais c'est pas possible, j'ai fait aucun dégât. En fait c'était normal, c'était tout à fait normal. Red j'ai porté, ah ça c'est bien ça. J'ai un cœur en trop. Qu'un demi-cœur, oui non, on va passer au niveau suivant. Je crois que j'ai encore une partie d'Isaac que je vous avais gardée en réserve. Je sais plus pourquoi je vous l'ai mis, je crois que j'étais trop nulle. Et que du coup c'était catastrophique. Enfin que c'était pas intéressant en fait. Parce que ça avait dû pas durer longtemps. Alors ça c'est bien parce que voilà, ça fait tomber les cailloux et du coup on peut passer. Ah, ah merde. Ah je crois que je l'avais tué. Bon voilà, vous avez vu comment se prendre plein de dégâts inutiles. En 3 secondes pour mourir juste après. C'est terrible. Non mais non. Mais non mais voilà, mais voilà, d'être gros ça nous fait passer à côté du truc au lieu de passer à côté. Donc voilà comment mourir en un étage. Bon, je suis de mauvaise foi avec ce jeu parce que c'est moi qui suis nul. Et c'est moi qui l'accuse d'être nul. Parce que j'en ai marre de perdre. Donc voilà. Donc c'est ma faute et uniquement ma faute. Donc voilà, hop. Ça vaut pas le coup. Si on reste séparé par le vide, je t'aime bien. The World. Alors c'est très simple, on va aller là. On va aller là et on va regarder ce que fait The World. The world, the world, the world. Révèle la map entière et la localisation des pièces spéciales. C'est moi qui si vous avez, j'ai pas le compas, blablabla. Ok, ça révèle toutes les pièces. On va finir ça et puis on verra si ça vaut le coup. Will, ah oui je vois le boss, d'accord, j'ai pas fait celle qui est en haut. Ok. Parce qu'on a pas grand chose. Et je préférerais attendre qu'on ait plus de choses pour révéler la map entière parce que ça trouve quelque chose d'intéressant. Je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup de le faire maintenant en fait. J'espérais que la salle secrète soit à côté pour que je puisse creuser un trou. Mais bon bah tant qu'à faire ça va me faire récupérer la bombe. Donc c'est parfait. Voilà. Il me faudrait une clé. Je veux une clé. Bah, je peux pas faire tomber les clés des arbres. Comment je fais pour aller dans... Ah on va être privé d'items en plus. Alors c'est une de ces parties où... où on est gros et où on n'a pas de clé, d'accord. Okay. Oh. Ok, on est mort. Bon bah on en fera un autre. Hein. On en fera un autre. Du coup. Bon, là on va monter parce que monsieur va descendre. Il va nous faire du mal. Donc voilà. Ok, très bien. Vas-y, vas-y, descends. Ah non, mais non, mais t'étais censé être en bas. Putain. Ah, ce jeu me rend pas folle. Non, mais laissez-moi tranquille. Je prends mon cœur maintenant. Vas-y, vas-y, attaque. Non, mais pas moi. Toi, la tête, tu m'énerves. Ah, attendez. C'est bon, on a eu la tête. Il n'y a plus que lui. Donc, règle numéro 1. Ne pas paniquer.
paniquer, ne pas paniquer, ne pas paniquer. Moi paniquer, jamais, 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 surtout pas sur ce jeu. Ah, attendez. Attendez, attendez. Ah! Ah! On a réussi! Dieu soit loué. En plus, on a toute notre vie. Ça fait quoi ça? Le pony, ça fait quoi le pony? Attendez, non, le pony c'est quoi? C'est un use machin truc. Donc le pony doit être là. Pony! Il va charger, il va devenir invincible et il va faire du mal aux ennemis. Ça augmente la vitesse et ça nous fait voler. Oh, je suis obligée de prendre ça, tant pis pour le cœur. Je vais prendre ça, on n'a pas de clé donc on passe au suivant, tant pis. Tant pis, on n'aura pas l'item dans la salle. Je sais pas s'il y a moyen de récupérer un item dans une salle comme ça quand on n'a pas de clé ou si on doit juste pleurer parce que du coup on n'a pas eu. Ok, je pleure. Bon, le bon côté, c'est que du coup... Non ! J'ai survécu à ça ? Bon sang. J'aurais pas cru. J'étais persuadée d'être morte, moi. Je me voyais déjà finie. Fichez-moi la paix. Mourez tous. On a de la chance par contre du coup parce que les pics ne nous font rien. Et ça, ça c'est du pain béni. Ah! Faut pas que je... Ah oui, c'est les trucs qui explosent. C'est les trucs qui explosent. Non, pas moi. Explosez loin de moi. À l'autre bout du monde s'il vous plaît. Me fais pas de mal. C'est parfait. Mais je rêve ou on ressort rien? Non, pas eux. On va essayer de leur faire du mal de loin. Lui va m'attaquer, mais c'est bon, on l'a eu. Il va m'attaquer, mais c'est bon, on l'a eu. Il va m'attaquer, mais il est méchant. Il va m'attaquer aussi. Et lui, je pense qu'il est mort. Dans pas longtemps. Voilà. Ah, ça, on le prend pas, on le prendra à la fin. Ah, mais t'arrives à prendre des dégâts d'une mouche comme ça, mais c'est pas possible. Comment c'est possible ce genre de choses? Ah, fistula. Enfin, un truc de fistula, machin truc. Alors, faut juste que je fasse attention à ne pas faire ça. Ça va pas. Je le sais, je vous le dis, et je le fais quand même. Bravo, bravo. Il n'y a que moi pour faire ce genre de choses. On va rester dans le trou. Hein. Quoique non, maintenant il reste plus que lui. Donc voilà, ça c'est fait. Il faudrait une clé en fait. Je désespère de trouver une clé. Faut qu'on tue les mouches. Ça va pas être possible s'il y a encore les trucs aux mouches. Voilà, ça c'est bon, lui il est fait. Alors, lui hop. C'est bizarre qu'ils soient dans cette position, ces deux-là. Oh, une salle d'arcade. Bah, on va y aller. On va y aller, on va s'occuper de lui. On prend le milieu, évidemment c'est une mouche. Hop, évidemment c'est une mouche. Ah! Ça compense, mais on n'a rien gagné du coup. On n'a rien perdu non plus, donc ah! Tant mieux. Ah, une clé, ça m'intéresse par contre, j'ai une clé. Oh, je t'aime. Merci. Merci, 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 merci. Ah, ça c'est cool aussi, mais c'est tellement cool que je vais passer à la gauche. Parce que un demi, il n'y en a pas. Et deux gros comme ça, ça m'intéresse. Ah, il m'a fait mal. Bon bah le gros, il m'intéresse maintenant. Voilà, donc on va repasser au milieu. Voilà. Hop. Allez. Hop. Encore. Oui, donne-moi les clés. Ah non, zut. Des bombes. Ouais, pourquoi pas des bombes. Ok.
Ah, je crois que j'ai tapé à droite. J'ai cru qu'il allait lui faire... D'accord. C'est passé derrière. Très bien. Pas de troll. Non, c'est bon, pas de troll. Ah, je repars. Vite. Allez. Donc maintenant, on a deux clés. C'est parfait. Ça vaut pas que je le prenne, attention. Pas d'accident. On continue. On pourra avoir... Bon, je suis protégée par en haut. Ok, d'accord. Ok, non, ça on n'y va pas, c'est une salle de duel et j'y meurs toujours. Donc on va éviter de mourir. Ça pourrait être sympa, je pense. De ne pas mourir. Allez, allez, allez. Tuer la grosse parce que les grosses elles sont chiantes. Oh, maintenant j'ai plein de clés. C'est quoi ce troll? Oh putain, non, pas le. Je crois qu'il voulait me sauter dessus, mais il ne peut pas parce que je suis dans le trou. Vengeance, vengeance. Non, reste dans le trou. Voilà. Oh, on a perdu deux trucs quand même. Ceux-là, je les aime pas. Ils me font mal. En plus, il n'y a pas de trou. Avec un trou, on aurait tellement pu faire le truc correctement. Tranquillement. On en a eu un, déjà, c'est ça. On sera tranquille pour un. Tranquille pour le gros. Et celui-là, c'est bon aussi. Voilà. Ouf. Alors, on va d'abord à la salle d'objets avant de faire le boss. Je préfère. Alors là, je suis tranquille. Je peux essayer de faire comme ça. Hop. Je fais n'importe quoi. Oh, attendez, je me concentre. Qu'on s'en sorte à peu près, évidemment, une troll bombe. Hop, donc ça c'est bon. Ok, donc on a plus de bombes. Elles font plus mal. Ok, donc on passe au boss. Bah du coup, ouais. Faudra pas qu'on oublie le cœur sacré avant de partir. Cœur sacré, non c'est pas un cœur sacré. Bref, le cœur blanc. Faut que je passe entre les trous. Je vais jamais pas. Attendez, lui va me tuer. Voilà. Ma santé mentale sera mieux. Voilà. Ah, je sais pas viser ces trucs là. Blanc. Alors, voilà. Et on va repasser par la salle d'arcade, parce qu'on a des sous. Attendez, on va faire la salle d'arcade avant de faire le cœur blanc, parce que sinon, je risque d'être blessée par des bombes dans la salle d'arcade. Je suis morte une fois dans la salle d'arcade, alors du coup, j'ai plus confiance. Ah, c'est génial. C'est génial, je vais te faire exploser. Merci pour ta participation. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Toi aussi. Merci pour tout. Et toi aussi. Merci pour toi également. On est bien, on est mieux.
ça va mieux. Alors, petit poney, emmène-moi. Niveau suivant. Niveau pas beau du tout. Alors hop. Hop. Monte. C'est parti. Alors là on a plein de cœurs et moi j'ai plus de temps. Ça se trouve je vais devoir couper la vidéo et couper le truc là et... Ah. Ce serait absolument monstrueux. Putain. Toi tu vas mourir et arrêter de me lancer des... Ça suffit tous, on se calme. Toi tu te calmes. Toi tu te calmes. Toi tu te calmes. Toi tu te calmes. Et vous deux, vous vous calmez. J'ai failli en perdre bêtement encore. Je bouge de là. Ah. Ah. Ah merde. Je me suis jetée dessus comme vous êtes tous témoins. C'est vrai que j'ai pas mon cœur supplémentaire en plus. J'ai un poney qui me fait voler, mais j'ai pas de cœur supplémentaire. Ils sont entretués les deux là. Un peu hein. Ils sont un petit peu entretués. Ok, c'est un peu comme moi en fait. Comme je sais pas éviter. C'est une blague, c'est une grosse blague. J'ai fait quoi de mal? Je ne sais pas. Je suis personne. Je devrais essayer de chercher la salle secrète avec mes bombes, mais bon... Je préfère les garder pour les boss, ces trucs comme ça. En connaissant, je risque d'en avoir besoin. Tant que je les économise, d'accord, il n'y avait rien. Putain. Oh la poisse. Je suis jetée dessus comme vous pouvez l'avoir remarqué. Ceci était un suicide. J'aurais pas compte de la vie en fait. Putain. Alors attendez. Ok.
J'ai été tué par une araignée! Ah, oh, quelle horreur! Y a pas pire comme mort! Bon, c'est pas grave. Bon. Bon, bah, au moins, vous avez vu le poney! Voilà, c'est super, vous avez vu le poney. Donc, voilà. Et ça vaut bien un gros câlin à Legba pour les poneys parce que voilà. Les lapins. Bah voilà, non. N'importe quoi. Les poneys perdent, ils meurent toujours. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie, c'est l'histoire des poneys. Donc voilà. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour un autre épisode où on aura des clés dès le début et où je ne serai pas tuée par des araignées, où je ferai pas n'importe quoi. Voilà, enfin si, toujours, je fais toujours n'importe quoi, mais bon. Bref, où on s'en ressentira un petit peu mieux. Portez-vous bien, à bientôt!